En avril dernier, le rapace aurait confondu la fillette habillée en blanc avec le drone de la même couleur qu'il devait intercepter. La petite fille de 5 ans pique-niquait en haut du col d'Osquich à Musculdi, Pyrénées-Atlantiques. Mis à jour le 7 juin 2018, 12.22 publié le 7 juin 2018, 12.21 l'effet remonte à avril dernier. Alors qu'elle pique-nique en haut du col d'Osquich à Musculdi, Pyrénées-Atlantiques, une petite fille de 5 ans est attaquée par un aigle royal de l'armée de l'air, rapporte France Bleu Pays Basque, jeudi 7 juin. Le rapace aurait confondu la fillette habillée en blanc avec le drone de la même couleur qu'il devait intercepter, la griffant au passage. Les militaires ont présenté leurs excuses à la famille. L'aigle royal appartient à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Les militaires expérimentent le dressage des aigles pour se défendre contre des attaques de drones. Depuis cet événement, l'armée d'air a continué ses mêmes exercices en vertu d'une convention signée avec la commune de Musculdi. Pour Carole Aguerre, l'adulte qui accompagnait les enfants ce jour-là, ces exercices ne doivent pas avoir lieu lors des vacances scolaires, en raison du danger. Voir la vidéo reté à lire aussi sujet associé Smetiers Drones Armées et Sécurité Tech VBCO Conso Emploi Fait Divers.